mpendo wa msikilizaji wa radio Le Message, mtazamaji wa Shahidi, wewe ae kama huu umepata fursa ya kuweza kuwa pamoja na sisi katika kifagio, kipindi ambacho ndani yake tunakuwa tunatangaza bora ya ukosefu wa ufahamu, kinaandaliwa na chumba cha radio Le Message di Pepe pamoja na Shahidi TV kwa ajili ya kukuelimisha mpendo wa msikilizaji mtazamaji. Kwa hii leo mpendo wa msikilizaji, ni kwamba mada ambayo tumekuwekea mezani ni matokeo ni katika majimbo tofauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na neno la vinara collective dans les différents. Mtazamaji, ni kwamba ni siku nyingi ambako kunakuwa kuna tolewa malalamiko tofauti kutoka kwa raia na watazamaji wa hali ya mambo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa iki ambacho kimevuma kama fenomeno autorité morale, kuna matokeo yake katika uongozi wa majimbo tofauti, kila mara ikiwa kwamba kunakuwa kunaandaliwa uchaguzi wa maliwali ama maseneta katika majimbo, unakuwa unasikiliza neno hili la autorité morale comme influence. Adam pendwa msikilizaji, tuko wa ni kwamba moja kwa moja swali langu litaanza kwa bwana Mapenzi Manyebwa. Mapenzi Manyebwa, ni kwamba kutokana na sheria ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hususan kupitia labda katiba ya nchi hii ambayo imepanga jinsi gani uchaguzi unatakiwa kwamba uende uweze kuendeshwa, kuna kuwa ile le vote par suffrage direct ambayo raia wanakuwa wanachagua ma representant wao, notamment le président de la République na wanabunge kwenye bunge la jimbo na bunge la kitaifa, ila inafika pia kwenye mode ambayo iko second mode, ni mode par suffrage indirect, ni kupitia wale ambao mlikuwa mmewachagua nyinyi kama wabunge kwenye ngazi ya jimbo ambao wanakuwa wanachagulia maliwali na wanaseneta. Wewe kama wewe, je, ukijaribu kuangalia la façon dont les élections hizi kwenye ngazi aswa ya jimbo zinakuwa zinafanyika, unakuwa unapana picha gani katika demokrasia ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Ndiyo ndugu mtangazaji, nashukuru kwanza kwa swali. Ndakumbusha ya kwamba c'est depuis régime ya Kabila que tulianza ona mavisa mbalimbali kupitia ma election zetu. Corruption ilionekana kuwa ya mingi na ile autorité morale ikafikia, parce que mu régime ya Mobutu le terme autorité morale haikukuaka. Na ukiangalia ma election zilipita mu 2006, 2018 na 2023, utaelewa ya kwamba ce sont les autorités morales njo biko na influencé beaucoup plus choix électoral, même qu'au niveau ya ce que nous appelons comme dans la démocratie élection yeko di iko à suffrage direct. Utakuta que bonjo biko na ile mot à dire kuba député, nani atachaguliwa, nani atapita na nani atapita. Juu ukiangalia leo hii tuko nataka fanya ma election ku niveau ya province où nous avons besoin de gouverneur, na abo ba gouverneur batachaguliwa na ba député benye si tulichagula, mais ukienda dans le réel utakuta ke bale ba député bata suivre mot d'ordre ya autorité morale, haitakuwa tena choix ya bale ba député, parce que les députés en soi ils devraient revenir ku base banaki auliza si e base nani mwenye tunapenda apite comme gouverneur. Parce que batafanya choix sur base ya choix yetu siye. Donc, si nous avons 5 députés à Uvira comme députés provinciaux, ces députés provinciaux bangipasha chuka Uvira, banakia tuliza siye population à Uvira tunapenda mwawa candidat nani apite comme gouverneur. Tunaambia ba député yetu, par exemple, mchagule gouverneur X ou Y. Bale ba députés provinciaux banaenda mwensemble provincial,
pour faire des élections, il y a gouverneur, il y a président en assemblée provinciale, il y a membre, il y a bureau, il y a assemblée provinciale. En ayant déjà les choix, il y a des citoyens ordinaires. Mais ce qui se passe, mouma élection provinciale dans toute la République de la RDC, depuis 2006 jusqu'à nos jours, l'expérience nous montre que tout comme une dictature démocratique. Donc, on nous fait croire que nous sommes dans une démocratie, mais au Kiangalia, réellement, bien yébinafanikaka, donc, on sait qui doit être gouverneur avant même les élections. Et c'est là, inaonekana kama tukiendele à moi les hali, inchi yetu haita itiwa vraiment. Élection à formalité. Voilà. Inchi yetu haita itiwa vraiment République démocratique du Congo parce que nous sommes devenus une république de la dictature. Mais cette dictature, iko maquillée par des élections zenyeziko triquées. On nous fait voir qu'on passe des élections, mais en réalité, haiko élection. C'est pourquoi nos députés devraient aussi revoir les choses na kuangalia comment tout a toka moi les donne ya ba autorité morale. Voilà, acha kwamba tuende kwa bwana Musema Mauridi. Si seulement vous êtes d'accord avec bwana Mapenzi Manyebwa kutokana na hali ya mambo, hali picha halisi ambayo ametoa kuhusiana na uchaguzi ambao unakuwa ukiandaliwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan dans les provinces, une dictature dans la démocratie. Nyinyi kama nyinyi, si seulement vous êtes d'accord, nyinyi kama shirika la kiraia, nini ambacho mnakuwa mnakifanya kwa ajili ya labda ya kuweza kukontrekare ama kuweza kulimite hii propagation ya fenomena autorité morale ambayo kila watu wanakuwa wanadecrier? Ndio ndugu mtangazaji, na shukuru kwa swali. Nda felicite kwanza mwenzangu Mapenzi kusulevima mba natuwa kuonesha opinion ya kwamba kesi ya autorité morale vis-à-vis na maeleksio zetu kuna sema ziko demokratiki, alors que ziko demokratiki mu terme moya enye banaonesha kama population iko aveugle or kwa bokule iko demokratiki, parce que deja le candidat est connu na fulani ndo atapita. Mena par rapport na sisi kama vile shirika ya JP la kiraia, ambapo tuko sa vile kilalo pon ya population kuonesha ama kuorienter nini banapasha fanya nini na nini abapasha kufanya vis-à-vis na nos députés. Nous d'abord mu kwetu mu nouvelle cité civile, parce que chez tuko accessible site Kivu, tunaangalia Walungu, tunaangalia Uvira, tunaangalia Fizi na Mwenga. Par rapport na hizo quatre territoires, on a des députés partout. Mena tukasema kama si c'est trop atutaitika tena ile manyanga ifanyike, parce que tuko na mafetière mingi mu site Kivu ambazo kila mtu iko hali ya kuameliorer gouvernance dans les provinces. Nini ambao mko dans la province du Sud Kivu, vous avez un rôle à jouer en tant que société civile. Oui, oui. Nini ambacho mnakifanya kwa ajili ya kuweza kontrekare? Doko tunafanya kama procedure ku intercaler mambo, kusema ya kwamba tutaitisha le député ba axit site Kivu kuambia kwamba ils doivent partir avec le choix du peuple. Kama population ama kama candidat fulani ana présenter un projet enye inaenda kuma objectif direct ya population, ce candidat doit être voté, quelle que soit tendance politique, quelle que soit tribu ou le candidat pour vote, parce que ndo mwenye ana reflecter image ya population anaya ampusa les députés provinciaux kwa kumvoter. Voilà, bwana Mapenzi Manyebo, acha kwamba tuweze kurudi kwako. Hali ndo hiyo. Sasa wewe unafikiri ni kitu gani ambacho kinakuwa kinapitikana surtout dans la tête de nos députés, kuanzia kwenye maparti politique ambazo wametokea ndani yake? Inasemekana kwamba pour que kwanza candidature yako iweze kuwa accepter dans un parti politique, il doit y avoir la même mise ya mtu ambaye labda anakuwa anaongeza, kwanza lazima uweze kukubaliwa. Et puis inafika kwenye ngazi ya jimbo, unakutana kwamba kuna ile hali ya mambo mtu ana ile libre arbitre ya kuweza kuagir comme représentant wa raia. Wewe unafikiri est-ce que c'est la responsabilité seule de nos députés ambao tunakuwa tunachagua, ama c'est toujours le phénomène autorité morale ambao inakuwa primer sur a aussi, si seulement wanaweza kuwa wana manquer volonté ya ku bien faire notamment? Oui, ça que si on a toka sema pale, le grand défi yenye iko sai mu système politique et tout ya Congo est que les autorités morales, donc ba président ya mingi ya ma parti politique dans le régime Kabila, ba likia dikuta après ma élection ya 2006, il n'avait plus le contrôle ya ba député yabo. Et aussi certaines décisions les échappaient parce que ba likwa na kosa ile capacité ya ku décider au détriment ya ba député. Alors, c'est par là que utakuta mon deuxième mandat ya régime Kabila, certains proches politiciens et à régime Kabila, ils ont mis en place des systèmes pour faire en sorte que seuls les
président fondateur ou parti politique, ndio mwenye anapasha kuwa na décision sur les députés. C'est ça la dictature yenye tuko nasema. Na baka di créer une philosophie dans laquelle baliingiza mba député d'où tout ce qui doit se passer comme décision, comme initiative ya parti politique, inapasha toke à kwa ule autorité morale. Parce que ukiangalia leo hii, hapa kwetu Uvira, nous avons eu des députés benye umoya alipita ku province, ungine akapita ku national, mu parti ya INC, nous avons eu un député national, où le député national aliprouvé volonté yake ya ku postuler ku gouverneur, et nous avons eu certains mutualités apa Uvira zenye zilifanya ma déclaration za kuonesha ke zina soutenir ou le député ku province comme gouverneur. Nous avons eu ma groupe mingi ya bajene benye balise ma nono, nous sommes d'accord avec ces députés. Est-ce que il est procédure aussi, si seulement il est phénomène il quoi décréter mundi wa Uvira telle mutualité c'est pas moi tout tel groupe de jeunes, est-ce qu'il y a une kwamba kulikuwa vice des procédures, et tant que il est étape ni étape il y a suffrage génie quoi indirect, ce sont les députés qui doivent voter, peut-être il fallait agir sur les députés en bas tout quoi tu me wachagua ndio kwenye nilitaka fikia nataka kuonesha de telle sorte que ba autorité morale ndio biko na ile dictature mu démocratie. Donc unakuta député iko na ile envie ya ku postuler comme gouverneur, ya ku postuler comme président ou assemblée provinciale, comme questeur, comme vice-gouverneur, peuple inamchagula, peuple inapenda ki apostuler, mais lorsque a répondre ku critère ya autorité morale ou le député anakuwa bani. Nous avons eu un autre député ku niveau provincial munyalipita hapa mu compte ya FDC, mwenye na ya lionesha ma ambition zake za postuler comme gouverneur, aka onesha partout et certains jeunes balikuwa d'accord na ile envie, mais quelque part bah autorité morale ils n'ont pas donné la chance quoi les députés nazile makazi kozamingi, et voilà là où nous montrons que dictature yenye iko naenda leo par rapport na ma élection au niveau provincial tunakia dikuta ke les gouverneurs qui passent comme gouverneurs haba piti parce que les députés bali bachagula haba piti parce que les députés baliona mwebo ça qui c'est ndugu alisema projet à société, mais c'est parce que les autorités morales ont donné un mot d'ordre muchagule fulani, c'est parce que les autorités morales ont bani bengine balikuwa napenda ba voter, parce que on ne doit pas continuer moyissance hay tout à permettre à ce que kukwe bonne gouvernance mon province ya Sud Kivu, parce que nous nous mettons dans la tête batu benye habana maendeleo mukichwa yabo, mais parce que ils ont été d'accord avec ba autorité morale, parce qu'ils ont été choisis par ba autorité morale. Mais lorsque nous essayons un peu de travailler avec ma société civile, avec population, zitie pression ku ba député ba fungu ke macho ba siendele kuwa bilalo ya ba autorité morale. Leo hii kila mtu ananza penda créer parti politique. Pourquoi? Parce que kusha kuwa ile blocage. Unapasha kuwa na maambition politique zako, mais lorsque hauna bonne collaboration na autorité morale, utakuta ke même si ulipata mavoix ma élection, unakuwa coincé parce que kule Kinshasa hauna ule autorité morale wa kusemea. C'est ce qui a amené même ma contentieux za mingi hapa Uvira et partout ailleurs, où on a eu certains députés qui ont été votés massivement, mais leur autorité morale bakaba coincé, et cela a été planifié même mon calcul est assez l'hôtel de la dictature, mon calcul est assez électoral. Tout le monde ici récemment, si je peux avoir cette chance ya kurudia nyuma, tout le monde ici récemment ma déclaration, ma contentieux entre les députés ya même parti politique, cela n'a jamais été muzingine inchi. Comment expliquer que les députés des mêmes familles politiques, des mêmes regroupements politiques, ils peuvent aller à la justice? Or, ce sont des questions qui devraient être traitées à l'interne. Mais comme certains députés vont sentir que biko mal à l'aise par rapport à ma décision à ma autorité morale, tout le monde Uvira, Kamituga, Kinshasa et partout. Voilà, bwana mapenzi ya sante pour ces éclaircissements. Turudi kwa bwana Musema Mauridi. Ikiwa kwamba hii phénomène ou soit la main ya wa autorité morale inakuwa inaendelea kuonekana katika ma processus électoral surtout au niveau provincial. Wao unafikiri hiki kitu na hii hali ya mambo est-ce que inakuwa inatoa la chance kupana bahati kwa couches zote za population surtout dans la province du Sud Kivu kuweza kupata la même chance ya kuwa éligible comme gouverneur wa province ya Sud Kivu. Ndio ndugu mtangazaji, je pense que question ko mzuri sana par rapport na hali tuko naenda mu nchi yetu.
Maintenant, question à l'autorité morale, moi, yinchi ai donné chance, ama ai ko éligible par rapport na anje tu kuna kuwaemo. Parce que autorité morale ko imposé voter mutu fulani. Oui, tant que député provincial ko représentant direct à la population ambayo likupatia ma voix likutuma kule ku province onde va représenter. Soit en disant que il y aura des projets stafanyika mu ma territoire, mu ma ville vis-à-vis na projet ambayo gouverneur ta présenté. Ou autorité morale ko imposé par exemple voter mutu fulani mwenye ai ko ma objectif Zaraïa, ama anata projet moyen ta saidia raia unakuta kumvoto le mtu ndio comment tuko tunaona sa une fois tuna voter gouverneur gouverneur kwa na tendance parce que wakati bana imposer ba voter mtu fulani ole gouverneur anamoneye ba député iko na tendance ya kusema kwanza atafute le makuta ambayo alipatia ba député juu ba mwelir na unakuta ki anaenda a la contre kutumikia population na kwa natumikia kwa maslahi yake et là c'est comme avec shirika la raia a tout aiti que le mambo yendelele parce que iko nakuta ki tuna miaka tano iko naisha muburi unakuta ki mwingine kwenda na naendelea kurudia nyuma pale kisonge mbele kufuatana na kesi ya autorite mwa kuimpose ba député ba voter mtu fulani ba voter mtu fulani na ule mtu ana ni idée ya kudevelope province ila tutaitika bwana mapenzi manyebwa esco par la mauvaise volonté de faire au par complaisance quel intérêt à soi ambayo wewe unafikiri kwamba inakuwa inapousser zaidi les soi-disant autorité morale kutokuachilia wa député waweze kuagir dans la démocratie telle qu'établie par la RDC dans masheria zake tofauti notamment la constitution ya nchi. Est-ce que wanakuwa na intérêt gani je appartenance tribale économique religieuse ambayo inakuwa zaidi inakuwa inatumana wa autorité morale wasiache la main libre aux députés wa acteurs politiques wao ambao wamepata fursa ya kuweza kufika kwenye hatua fulani ambayo inahitajika kwamba waweze kujua ma responsabilité pour l'intérêt de la population. Oui, ya kwanza ni ku défendre ma intérêt égoïste ya autorité morale parce que comme vous le savez, ukifanya analyse ya géopolitique ya RDC, inaenda en sorte que la plupart ya ba autorité morale les fondateurs, président ma parti politique, lorsque hana ba député ba mingi, na hana ma province fulani zenye ana ikoemo na batu yake, ina faire en sorte que parti yake ishuke. D'où chaque autorité morale iko na fournir ma effort que mon 25 provinces ya RDC akou atana 2 à 3 provinces où il a quand même des gens qui sont dans des positions ou des postes stratégiques. Par exemple, ou qui fait une analyse il y a 2018 mpaka 2023, pourquoi province ya Sud Kivu il est tombé beaucoup plus mou faillite, c'est parce que nous avons eu 3 partis politiques zenye zilikuwa mu même regroupement politique mais hazikukua na même vision kila mtu alikuwa penda yenjo ha occupé. Nous sommes dans une émission, on doit le dire. Tulifanya élection ya gouverneur mu 2018. Et donc, 2019, ça, après ma élection législative, c'est l'AFDC qui a beaucoup investi pour que Ikoué à la tête de la province. Il y a investi Mungwa Bidje, il a donné beaucoup d'argent aux députés, il a monnayé beaucoup plus ma élection provinciale jusqu'à ce que Bakaresir coupe ta province. Mais malheureusement, lorsque Mungwa Bidje a le coup province, et après un temps, comme vous le savez que la politique est dynamique, Mungwa Bidje a katoka. Un enfant impoli vis-à-vis de ses pères jusqu'à ce que AFDC il capenda imulache. Lorsqu'il penda imulache, il a été malin à kaenda mu IDPS. Or IDPS et AFDC il kwa parti y a regroupement politique moins. Unakuta ke ou le gouverneur mwenye iko voté comme gouverneur ou à province, hata tumiki atena province, ananza tumiki à celui qui l'a donné le pouvoir. Parce que, ou tatambua kwamba ke, mon science politique, la chose qui est intéressante est de comprendre quelle est la nature, quelle est la source du pouvoir. Le oi ou kikwa na député, la chose que tu dois comprendre, pourquoi ou le député a asiki et sa na population, parce que ou le député anayua origine ya pouvoir yak. Et lorsque un gouverneur, il est conscient que alikuwa gouverneur, pas parce que ba député va le voter, mais c'est parce que ba député va le pas ta mot d'ordre, il y a autorité morale X ou Y, ou takuta ke, ha répondre beaucoup plus que ma
pas choix y a ba député ama ya population mais ana répondre beaucoup plus que ma pas choix y a ba les autorités morales parce que ana yua kama ba les ba kisema atoke atatoka. C'est pourquoi nous avons eu excusez pour qu'elle ait chité. C'est pourquoi vous t'acoutez que ma motion zinakuwa za mingi mu assemblée provinciale contre les gouverneurs mais où le gouverneur est atoki tukijireferer même mu ma motion zezilifanyika contre Ngwabidje mais cela n'a pas eu un fait positif par rapport à ba député parce que en réalité mwenye alikuwa na secret ya pouvoir ya Ngwabidje n'était pas dans l'assemblée provinciale, il était à Kinshasa. C'est pourquoi on a eu même la mauvaise chance ya ku suspendre même assemblée provinciale ya Sud Kivu pendant plus d'une année. Donc vous allez comprendre avec moi que la RDC aujourd'hui a un grand problème. Na ile problème a iko tout mon Sud Kivu, iko ma province ya Mingi où les autorités morales c'est eux qui décident sur l'avenir ya province. Na ile ku décider a iko pour l'intérêt ya population ni pour l'intérêt ya bobo peke utakuta ma ministère za Mingi c'est eux qui décident qui doit être ministre de l'éducation au niveau provincial, qui doit être ministre banadi gabulia makota. Weye FDC utakamata des ministères ku province, weye INC utakamata ministère fulani ku province, weye CUI ANC. Njo il est balé ba leader ya ma parti politique lorsqu'il se partage le pouvoir on akuta si e population na ba député benye bana wazia kama nabo bata nufaika batapata quelque chose. Tunawakia si bote malere. Leo kiangalia ba député provincial ya Sud Kivu ya 2018 ya 2023, la plupart sont malere parce que bali tombe mwerere. La plupart n'étaient pas payés. Tuliona il n'y a pas 3 mois hapa avant assemblée provinciale yanze kulikuwa ma grève. Les agents en assemblée provinciale balienda mpaka monani mu assemblée provinciale ndio balienda fanyia grève. Nous avons eu des images où balikuwa na pigia mule mule balikuwa na kulia mule mule. Cela donne une mauvaise image ya bonne gouvernance ya kuonesha ya kwamba ke tungali nyuma ya kuatendre démocratie. Merci merci bwana mapenzi manyebo, acha kwamba turudi kwa bwana Musema Mauridi. Il y a un autre phénomène ambayo na j'observé ambayo iko décrié par beaucoup de bouches katika jimbo la Kivu ya Kusini, notamment kuongozewa kwa jimbo hili de manière historique par soi-disant Kabila moja. Est-ce que je ni mkono toujours wa autorité morale ou bien il y a un autre problème ambayo inatumana kwamba hii phénomène ya monotribalisme à la tête de la province iweze kuwa observé katika jimbo hili na watu wanaendelea kuilalamikia? Shukuru kwa swali nzuri ambao mtangazaji unaniuliza. Paraporo ya ukabila mu province yetu ya Sud Kivu, ile nayo iko question ya ba leader betu. Suna comprendre que mu Sud Kivu tuangalie tendance ama tupime tu ba leader benye biko ngufu, utakuta ke ba mushi ndo bako bengi. Ba mushi ndo permettez-moi ku niseme ba mushi ndo bako bengi, ba autorité morale ya ne ba mushi mena. Na abo biko na imposer ba député kusema ya kwamba si une fois niko na parti yangu UNC ou bien FDC, enye lipata ba député par exemple Fizi, Uvira, Mwenga, Walungu, ke bale ba député bana tembelea mu vision ya autorité, mwana kusema ya kwamba si une fois je vous donne un candidat gouverneur tel et ça doit être mouche na il faut m'voter m'voter na bana monnaie bale ba député. Or ce n'est pas le cas de développement ya province. Angalia miaka ngapi province chabibwa na kabila moya, est-ce qu'il inaendelea? Ndakwambia ni bongo aendelelee. Tuangalie kwetu kwa kuaccess. Est-ce que vraiment ni problème ya kabila au ni problème ya mwatu ambao wanawekwa kwenye kiti? Mimi ndo nasema parce que je pense katika kabila zote kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Mimi ndo nasema iko problème ya kabila, ni problème ya watu wenye wanawekwa kwenye ile à la tête de province. Jua nini? Ukiangalia ke tukisema se mtu ni wa Iju, ukienda Iju ule ile kabila utakuta kwako kwa bonoko akuendelee parce que yeye yuko anatumikia ni maslahi yake pekee, parce que wakati juu akuwe Elia akuwe gouverneur utakuta alimonee sana, unakuta ke pour na mimi naiwa hii poste ni yangu niko nayo, siku ndatoka hapa sitarudia tena, il faut na mimi niive nifanye kile ndafanya juu na mimi kesho mwingine atakuja hapa naye ataiba juu mimi leo nikitoka mwingine atapaikala hapa. Ndio maana uko nakuta ke mwoku access yetu sisi leo tuko na watu wamejitolea bashuja, tuko na mkubwa mheshimiwa professeur Delphin Kibwa Bugigi naye iko candidat gouverneur indépendant, tuko ku mu territoire Fizi tuko na vice gouverneur Jean-Jacques Elakano, nao walijitolea kusema ya kwamba tushakuwa dirisha sana wale watu na atuendelelei maana ile kabila kusema sasa ni ukabila, hapana, ni question ya mtu ye peke anapasha jua nini ndo azafanya. Kama niko responsable wa population fulani, lazima nitetee ile population yangu na nitumikie kwa maslahi yao kisi wanataka. Voilà mapenzi manyebwa
comment se fait-il que wa député ambao wamekuja kusolliciter kwa sisi raia sauti tuweze kuwapatia pouvoir, tumewa faire confiance, tumewapatia pouvoir. Alors, il a fika ku niveau ambao ils doivent exprimer eux la volonté ambao sisi kama raia tunakuwa nayo, wanajirebeller contre la population pour population en tout cas ambayo ni souverain hein au détenteur ou à pouvoir ambayo wanakuwa wanaipana kwa député wanajirebeller contre la volonté de la population pour respecter l'autorité morale na hii ali ya mambo inakuwa ina impact gani katika émancipation ama développement ya jimbo notamment jimbo la Kivu ya Kusini. Oui, utatambua ya kwamba iko na impact très négatif ku développement ya inchi parce que ce sont les députés qui devraient faire pression, qui devraient faire ma lobbying au niveau de la province pour que les plans provinciaux de développement soient élaborés et exécutés. Ou qui angalia très souvent mon assemblée provinciale, Zamingi, mon RDC, et notamment Yacid Kivu, tout ce que nous faisions, nous théâtre. Parce que les députés provinciaux ya mingi trop na élire biko naenda kule au lieu ya kutetea raia banaenda tafuta aussi des postes. Alors moi il est censé ya kutafuta poste ina mu faire en sorte que hata fanya pression na hata enda à la contre ya président ou bien ya autorité morale wake. Et bile biote binakuwa na impact sur le développement social ya inchi, sur le développement économique ya inchi, sur le développement culturel ya inchi. Parce que en réalité en matière de développement, on ne peut pas trouver le développement dans une nation s'il n'y a pas la volonté politique. Pour que Sud Kivu y endele, il faut que nous ayons un gouvernement provincial yenye iko sérieux, crédible, na yenye itakuwa ini au-delà ya ma tendance tribale ou politique zote. Mais ukiangalia très souvent malheureusement, tout comme beaucoup plus dans l'assemblée provinciale qui tiennent compte beaucoup plus na ma rivalité. Voilà, si est Bamouchi, si est Batoka Ovira, si est Batoka Idui, si est Batoka Fizi. Alors, avec boule ma groupuscule, buna créer ce que tu connais ma division zamingi mu province, ha tout a ongelé à pamoya, ha tout a quoi na projet pamoya, njo nakuta caucus ya ba député provinciaux ya Ovira, ba ki kwa na projet yenye banataka présenter mon assemblée provinciale haïta pita parce que ils seront coincés par leurs collègues ya Kabare ya Kalehe. On a muda unaanza kututupa mkono bwana mapenzi pour que tu sortir labda moi gouffre ya phénomène autorité morale ambayo wote en ensemble mnaweza kusutenir kwamba ina enfoncer beaucoup plus ma province za RDC katika sous développement. On a aussi te proposer quelle piste de solution, sur quel pied jouer, hein, par, notamment quoi wa député, naro gani comportement gani wa autorité morale wa oser quoi adopter en faveur ya population kutokana na maélection au niveau provincial. Ya kwanza nda proposer ni éveil ya conscience ya peuple congolais et population ya Uvira en particulier dans les choix des députés. Lorsque munachagula kifuma muyue kama résultat aussi itakuwa ya mubaya na itakuwa na impact sur le développement ya Uvira na ya Sud Kivu en général. Lorsque munachagula mutu parce que iko wa tribu X ou Y muyue kama kule kwa ataenda ataproduire les mêmes résultats na itakuwa na impact négatif ku développement. C'est pourquoi il faudrait aujourd'hui continuer à travailler sur l'éveil ya conscience à travers ma sensibilisation, ma éveil ya mentalité ya population, ma conscientisation pour que population y pende des dimensions y anze raisonner société que cou raisonner religion que cou raisonner tribu à ma parti politique. On ne vote pas quelqu'un parce que il est des partis politiques X ou Y, on ne vote pas quelqu'un parce que iko attribue X ou Y ou parce que ni wamurefu ni wamunene ama iko na franga. On vote quelqu'un par rapport ya ma qualité ya profil ya que sur base ya poste yenye alipostile. Mais voilà, deuxième élément ni par rapport ya ba député benye tuna élire. Lorsque on n'a pas ta chance ya kwa éli comme député provincial ou yo ke unaenda représenter circonscription yako. C'est Uvira qui ta éli. Ou kwe Muvira, ou kwe Mubembe, ou kwe j'en sais pas moi Mufuliru, ou kwe Mushi, ou kwe Murega,
peu importe tribu yako, lorsque vous avez les chances ya kuwa élu comme député provincial ou national, on n'a pas choix représenter population ya Uvira au sens vrai du terme. Merci bwana mapenzi na ona wakati na ina. Je vais chiter. C'est pourquoi vous devez comprendre que bale ba député ba n'a pas choix ti ya mukichwa que c'est et qui ont quand même il est volonté na aussi il est chance ya kusema isaidie Uvira ama province. Acha kwamba tumalize na bwana msema Mauridi 30 secondes nyinyi nimesikia kwamba unasema sisi shirika la raia tutaitika. Qu'est-ce que vous recommandez à nos députés pour que labda tuweze kutoka katika hali ya mambo? Kwa jili toka kwa hali ya mambo ki tunaambia wa nabunge wetu wa Jimbo nikusema ya kwamba il faut ba revenir ku population yabo parce que kama bako pale population ndio wapatia manda et la population ndio inapasha yua nani anapasha tumikia raia nani hawezi tumikia raia partant na projet de société ya kandinda si kusema kwamba juu autorité morale na kuimpose fanya hiki na ukifanya hapana mukie kubaze baze bambie sie kama vile batoto ya Uvira sie batoto ya Fizi sie batoto ya Walungu batoto ya Mwenga tunapenda ya kwamba mtuchagulie gouverneur fulani ndio atatoa kwa magumu tuko nayo na itasaidia mwingine kwenda mbele. Voilà, merci mpendwa msikilizaji wa Radio Le Messager du Peuple pia mtazamaji wa Shahidi TV, na niko hapa ndipo tutakuwa tunaweka nukta kabisa kwa kipindi chetu kifagio siku ya leo. Tulikuwa tunajadili kuhusiana na fenomeno autorité morale na impact yake sur la démocratie élective dans les provinces de la RDC, cas spécifique ya Jimbo la Kivu ya Kusini. Langu jina ni Unegauzele Cedric. Tunashukuru timu nzima ya Shahidi TV pamoja na Pasianchi Musa Pardon na bwana Tambwe Bendera Cedric pamoja na Eritier Mbindo ambao wameweza kusababisha ufundi uweze kuturuhusu kuletea kipindi hichi. Tukutanane tena wiki ambayo inakuja kwa kipindi chengine. Kwaherini.